Aujourd'hui, nous allons parler sur les grandes ondes de la France. Et maintenant, nous commençons notre leçon. Nous parlons de la France et les grandes ondes de la France. La France est un pays très culturel et développé. Nous savons que plusieurs écrivains, poètes, savants, compositeurs, peintres, penseurs sont célèbres entre deux mondes. Lesquels nous savons? La France est un pays très culturel. Les grandes ondes de la France, par exemple, nous savons que comme Louis Pasteur, Pascal, Voltaire, Marie Curie, Pierre Curie, ce sont les avants français. Les écrivains célèbres français sont Émile Zola, Alphonse Daudet, Jules Verne, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Balzac, Guy de Maupassant, Stendhal, Molière, Pierre Canova et d'autres. Et maintenant, nous donnons les informations sur les célèbres peintres, c'est Watteau-Antoine, David Lee, Delacroix Eugène, Manet Educave et beaucoup d'autres. Pablo Picasso, célèbre compositeur essai, Hector Berlioz, Charles Bonnet, Georges Bizet et Jules Massenet. Et ici, nous parlons sur les chimistes, c'est Louis Pasteur, qui est un chimiste et biologiste, remarquable fondateur de la microbiologie et de l'immunologie. Les recherches bactériologiques ont conduit à l'azithromycine et à l'antiseptique moderne. Ces découvertes sont très importantes pour la médecine. Il n'était pas médecin, mais il était un savant très connu au grand courant. Pierre et Marie Curie, ils ont travaillé toujours ensemble. Les Curie sont cherchés et ils ont trouvé un nouvel élément chimique radioactif qu'ils ont appelé la radium. Cette découverte a été appréciée par le prix Nobel. Les œuvres de Pierre Curie ont été consignées et finies sa femme Marie Curie. Deuxième fois, le prix Nobel a été accordé à Marie en 1911. Pierre Gamarra est né à Toulouse en 1919. Pierre Gamarra a débuté comme instituteur pour devenir plus tard journaliste et écrivain. Il a écrit beaucoup de romans, quelques recueils de nouvelles et des livres pour les enfants. Tous ces livres jouissent d'un grand succès auprès des jeunes de France. Les romans les plus connus sont La femme de Simon, Le maître d'école, L'assassin, Le prix, Le mystère de la Berlorel et beaucoup d'autres. Alphonse Daudet. Alphonse Daudet, un des meilleurs écrivains français du 19e siècle. Il est né dans le sud de la France, à Nîmes. Ses romans et ses récits sont écrits avec beaucoup de fantaisie, d'humour et de tristesse en même temps. Alphonse Daudet a écrit de très jolis récits comme les livres de Montmoulin, Le Comte de Longueville, les romans Tartarin de Tarascon, Le Petit Chose et beaucoup d'autres. Dans le livre Le Petit Chose, Alphonse Daudet décrit son enfance. Guy de Maupassant, il est né en 1850. Maupassant, célèbre écrivain français, il a écrit beaucoup de romans, de nouvelles, de récits. Ses œuvres les plus connues sont Bellamy, À cheval, ses contes et nouvelles,
couloir de nuit, sur l'eau, en famille, la ficelle, la parure, la mer sauvage, l'amour et beaucoup d'autres. Jules Verne. Jules Verne est né à Nantes. Il a écrit beaucoup d'œuvres, des romans. Ses œuvres les plus connues sont Les Travailleurs de la mer, Les enfants du capitaine Grant. Il est mort à l'âge de 53 ans. Mais nous n'oublions pas ses célèbres écrivains français. Ici, on parle un peu, les compositeurs français sont Hector Berlioz. Il est né en 1803 et il est mort en 1869. Charles Gounod, Georges Bize, Jules Massenet, Claude Debussy, Maurice Ravel et d'autres, ce sont les compositeurs célèbres de la France. Ici, Vatan Antoine, David Lois, Delacroix et Jeune, Matisse Henry, Manette Glotte, Paul Langevin, Ampère, physicien française, et beaucoup des autres l'ont célèbre, ce sont les hommes de la France. Et merci de votre attention. Au revoir.